Entre la main gauche et la droite, j'active. Une citation mélodique, on cite la mélodie. Avec la participation de la main gauche. Sujet d'une résolution. Sol dièse et basse de Do dièse. La résolution, c'est sur Do dièse à 9. Je réponds. Le passage Fa dièse sur base de Sol dièse, donc 4 sur base de 5. Bon. Deuxième couplet, presque la même chose. Deuxième couplet. Donc c'est une dominante secondaire ici, donc deuxième degré majeur. Donc si j'ai la tierce tonique, je reprends encore la tierce, c'est une octave supérieure. Si je fais une arpège, normalement c'est l'arpège de mi bémol. L'arpège commence sur 9e. Donc, mi bémol et la 9e. Donc je fais un mouvement de... Bas de Sol dièse, donc ça fait un 11. La raison sur ceci, j'ai résolu sur Sol dièse 7. Dignait-il l'agneau immolé, j'essaie un peu de harmoniser. J'harmonise cette mélodie. Donc normalement c'est Do et mi diminué.
suivi d'un fa7, donc à la main 3 sur ré. Et le deuxième accord c'est résolution ici. Donc moi c'est do dièse si basse de si. Voilà, dans la main gauche sur ré. Voilà, faire la partition de la main gauche. Change, je renverse les accords de transition. Avant c'était multi, on avait fait du multi. De la dièse. Voilà, je chante encore. Et ça, c'est la projection de fa dièse à 9 en verset 2. Et bien, puis enfin.